Bonjour à tous. Toujours dans les environs du Puy-en-Velay, on se fait une petite balade, la dominicale, aux alentours du village de Grazac, avant de repartir pour une semaine de travaux sur le bus de Julien et Salma. Allez, on vous montre tout ça. La passerelle himalayenne qui traverse les gorges du Lignon. Donc il faut savoir que c'est une des plus hautes passerelles de France qui culmine à son point le plus bas en fait, à 78 mètres. Et elle fait 268 mètres de longueur. Donc pour ceux qui ont le vertige, s'abstenir, hein, parce que ça ballotte quand il y a du monde. Mais par contre, vous avez vraiment un paysage magnifique. Alors on a repris la route, là on a quitté Grazac et là on est posé à l'Entrillac. Alors il y a une petite curiosité là, c'est on a vu qu'il y avait des troglodytes, donc on va aller voir ça et regarder un petit peu le spot où on s'est posé. Là on va vraiment être bien. En pleine nature, il n'y a que nous et c'est joli des paysages.
Ah bah ça y est, on arrive sur le site du village troglodyte. Donc ce sont des cavités qui ont été creusées par l'homme. Donc ce ne sont pas des grottes naturelles. Et ça daterait du Moyen-Âge. Donc on va aller faire une petite exploration. Là, on est à combien? On est à une quinzaine de kilomètres du Puy-en-Velay. Voilà, à peu ouais. près, oui. C'est sur le site Les Couteaux. Un petit lieu lit. C'est sympa. Comme on vous le disait, les grottes sont taillées par l'homme. Hein. Ça a été fait depuis en pierre ou métal. Ah, pour l'époque, ça devait être un travail fastidieux hein, parce qu'ils n'avaient pas les tractopelles. Hein. Imaginer avec la paille au sol, je suppose. Ouais. Un petit peu par le feu. Non, la chambre des enfants. Chambre des enfants, chambre des parents. Quoi? Et puis là, les parents, ils pouvaient inviter les copines. Ouais, le papa. Oui, il y en a encore. C'est là la chambre des enfants. Ouais, c'est la caravane, ça. Thank you.
tout plein de coins de recoins. Il y a une ouverture dans l'œil. Il y a plein de petites niches de crevées dans l'œil. Mmh. Donc en fait, bah, ici c'était vraiment un vrai petit hameau. Hein. Il y avait une chapelle, un forgeron, il y avait une petite ferme et puis donc après pas mal d'habitations. Donc il y avait vraiment une vraie vie communautaire ici. Et c'est quand même difficile de les imaginer. Tiens, t'as vu, il y a même un mur un peu construit. Ouais, c'est pour soutenir le balsac. Enfin, non, voilà. Ouais, ça c'est moderne, ça. Ça date pas du Moyen-Âge. Mais c'est, le chantier est quand même assez impressionnant parce qu'il faut imaginer les outils de l'époque. Et la dimension des salles là qu'on a vues, c'est vraiment. Enfin, ça devait être vraiment un travail de titan, quoi. Mais c'est très joli et impressionnant. Donc visiblement le site est sous surveillance parce qu'il y a énormément de fissures en fait et on voit qu'ils ont posé des témoins le long des fissures. Ouais, pour suivre l'évolution de tout ça je suppose. Ouais. Et ben voilà, notre petit week-end en amoureux touche ça à sa fin. Ouais. Là, c'était bien reposant. On voit, on va sûrement passer la nuit là, de dimanche à lundi sur le petit spot là où on est. Et puis bah, lundi, on rejoindra Julien et Salma pour se remettre au boulot. Donc on quitte notre petit spot de la nuit. Là, c'était vachement sympa. On était vraiment au calme et on l'a trouvé vraiment par hasard. Donc là, on repart pour rejoindre Salma et Julien donc, pour une petite semaine de travaux. Donc là, ce matin, c'est vraiment dommage parce qu'il pleut. Hier, vraiment, on avait une super journée. Et je peux vous dire que ce spot, il se mérite, hein, parce que là, ça va aller, c'est en descente. Alors, en montée, c'était sportif. Hein. Thank you.
mettre à peu près un quart d'heure allez, pour rejoindre les copains et puis ben, après se mettre aux travaux. On retrouve un peu de civilisation. Là, il y a un petit passage technique, là. Vraiment un virage en épingle. Donc j'ai préféré laisser Jean-Marc gérer la situation. Ça fume un peu. On va voir sur le côté. Ça va, on en parle. Ouh, ça frotte un peu. C'est bon, c'est bon. Ça y est, c'est passé. Donc on vient d'arriver sur le spot et puis ben allez Jean-Marc il s'est mis au boulot. Il a démonté donc la calandre, là il a enlevé la grille de protection, donc ça sera pour préparer les travaux de peinture. Donc voilà, vous voyez ici la peinture elle s'écaille, voilà ici aussi. Ici, il y a un petit pet. Donc voilà, le but du jeu, ça va être de démonter tout ça pour après le poncer et le repeindre. Donc bon, alors, on n'est pas des professionnels. On va pas vous apprendre comment peindre une carrosserie. Mais bon, Jean-Marc... Le but du jeu, c'est que ça soit propre. Hein. Voilà. Ça tient un minimum, je suis d'accord. Ah, que ça soit joli, que le rendu soit... présentable. Allez, au boulot. Donc là, Jean-Marc est en train de préparer le poste de travail. Non, là, c'est plus un poste de travail, là, c'est le chantier carrément. Donc là, t'enlèves voilà, la peinture qui n'a pas tenu sur le support, en fait. Celle qui ne tient pas, ouais. Et après, on va... Bah, le but du jeu, ça va être de poncer tout ça un peu plus finement. Hein. Je ne vais pas tout enlever. Voilà, pour faire un support propre et présentable pour la peinture. Ça n'a pas du tout tenu, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors pour moi, ça a été peint sur le crâne, c'est pas impossible. Et pas... ça n'a pas été préparé. Alors on ne va pas mettre d'après, on ne va pas apprêter. On va faire, je pense, le même boulot. On va voir le temps que ça tiendra. Hein. Ah, tu m'étonnes. Pour être une connaisseur, c'est une grosse merde. Ouais, mais c'est ce qui fera une jolie finition aussi. Ah oui, ça c'est ouais. Et puis la peinture, elle accrochera peut-être mieux. Donc là, comme vous pouvez le voir, le pistolet à peinture est raccordé au camion. Donc il faut savoir que... bah, les camions sont équipés d'un compresseur d'air qui sert pour les freins, les passages de vitesse. Et puis bah, pour nous qui bricolons, c'est très très pratique. Donc, c'est parti pour la préparation de la peinture. Donc, c'est une peinture carrosserie à bicomposants. Donc c'est peinture plus durcisseur. Et les proportions, c'est 2 doses de peinture pour 1 dose de durcisseur. Et on rajoute à peu près 5% de diluant pour la fluidifier un petit peu. Et surtout par ces températures. Hein. Voilà, surtout par ces températures.
Et bon, ben, comme on est des peintres du dimanche, hein, on va pas se mentir. Hein. Ouais, non, c'est clair. Donc, les proportions, on les fait à l'œil. Tu montages. Ouais, la mixture est... Il n'y a plus qu'à agiter. Hein. Voilà. Donc là, ça y est, c'est l'étape de la peinture. Donc voilà, ça y est, on a trouvé le coude. Donc rappelez-vous, c'est ce qui manquait pour finir l'installation du poêle. Donc là, bah, il a été mis en place. Les hommes ont coupé le tuyau qui descend et puis bah, ils ont ajusté. Et voilà, c'est le poêle est enfin posé. Et là, on va le tester, on va faire une petite flambée. Bon, après, si vous voulez voir un peu plus des travaux, bah, allez voir la chaîne des Mafia Nomades. Voilà, vous aurez un petit peu plus d'images. Donc là, on prépare un petit feu, là, la première flambée. La première flambée. Alors, gel hydroalcoolique hein, pour démarrage. Sécurité. Hein. Faut oublier, on démarre jamais un feu à l'essence. Hein. Regarde, tac. Non, mais tu vas voir, c'est génial. C'est génial. Hop là. Voilà. On commence fort là. Bûche de 40, direct. Là. Ça rigole pas. Allez, on va mettre un petit coup de briquet. Le gaffe pas trop peut-être. Non, mais du bien. Là. Un petit coup de briquet, t'auras. Voilà, tu vois, regarde, c'est nickel. Non, le gel hydroalcoolique, c'est idéal. Hein. Ça sert à rien d'autre, ça. Ouais, c'est joli. C'est joli, il n'y a pas fumé. Ah si, si, fume un peu, on va fermer. Dauphin caramel. Et voilà la petite flambée. La première. C'est beau ça. Dans 10 minutes, on est tous à poil là. Mais ça, on le filmera pas. Ouais, on se garde. On le gardera pour nous. Faut prendre l'abonnement premium. Bon, et ben voilà, aujourd'hui c'est le départ. On va prendre la direction du sud-ouest. Oui, on descend dans le sud-ouest. Donc là, Jean-Marc, il avance un petit peu pour se dégager des cales qu'on avait mis. Donc très pratique ces petites cales, parce que sur un terrain meuble, ça évite... ça évite de trop tasser le terrain comme on fait quand même 12 tonnes et voilà pour éviter les ennuis après de redémarrage quand on fait des creux et tout ça donc voilà c'est ces petites cales là très pratique quoi, quand le terrain est souple comme ça. Heureusement
quand même qu'on a de la place. Bon, là, ça commence à être un peu juste. Les soutes sont pleines. Mais bon, ça rentre. Voilà, la petite manœuvre pour sortir. Bon, généralement, ça se passe bien. On va se mettre de manière à ce que Jean-Marc me voie. On va éviter d'abîmer le bus. Qui tombe, mais ça c'est pas grave, ça y est, on est passé. Bon, allez, en route. Et donc en fait on a très peu filmé les travaux sur le véhicule de Julien et Salma, bah, parce qu'en fait c'était leurs travaux principalement, mais bon, vous pouvez retrouver ces séquences sur leur chaîne, et d'ailleurs on vous mettra le lien dans la description de cette vidéo. Très bien. Donc vous l'aurez compris, hein, c'était de l'humour quand on a parlé de burn-out sur le titre de la vignette. En fait, bah, tout va bien, hein, on a passé de très très bons moments avec les copains, voilà, mais ça fait du bien aussi de temps en temps, bah, de partir au vert et de passer du temps, voilà, juste entre nous. Mais on a apprécié chaque moment qu'on a passé avec Julien et Salma. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et ben ça y est, on a repris la route. On a dit au revoir à tout le monde. Et on se dirige vers le soleil. Et un peu plus de chaleur. On espère. Hein. Non, parce que les nuits vraiment sont fraîches ici. Non, donc, pas tout ça. On avait combien? 10, 12 degrés ce matin. C'est frais. Ah, pour nous, oui.